Johannes Affair, ou amoureux d'une jeune femme de 25 ans, Sebo se convie. À l'occasion de la sortie du 7e tome de sa série Le Chat du Rabbin, intitulé La Tour de Babel Web, Johannes Affair a accordé une longue interview au magazine Voici. L'auteur et dessinateur évoque sa vie amoureuse avec Louise, une jeune femme de 25 ans, qu'il a rencontrée après avoir été victime d'une manipulatrice. Été 2017, deux ans après les faits, Johannes Affair racontait dans son livre, vous connaissez peut-être comment, il avait été victime d'une jeune femme. Cette histoire avait duré 6 mois, et s'était terminée chez les flics. Il expliquait à l'époque au journal du dimanche, j'ai découvert que des dizaines de personnalités, bien plus connues que moi, s'étaient fait duper par la même fille que moi. J'ai d'ailleurs rencontré son protecteur, il s'agit d'un des 10 journalistes les plus connus en France. Il m'a fixé rendez-vous pour me demander d'être gentil avec elle. Par la suite, j'ai compris pourquoi, elle possède une photo de Sabé depuis, elle le fait chanter. Après cette mésaventure dont il ne cache rien dans son livre, Essa Feller a fait une très jolie rencontre. Depuis 1 an et demi, je suis de nouveau rangé, très amoureux d'une fille qui se prénomme Louise, confia-t-il en août au journal du dimanche. Voici nous apprend que l'auteur est cinéaste de 46 ans, a une vingtaine d'années de plus que sa compagne. Ce qui ne semble pas le moins du monde les déranger, oui, je n'ai pas cherché une femme plus jeune, assure Johannes Affair. Ce qu'il y a de joli dans cette histoire, c'est que je ne l'avais pas prévu. La morale, je m'en fous mais l'esthétique est très importante à mes yeux. Se lever le matin et se dire que c'est beau se conduit. Avant Louise, Johannes Affair a vécu une grande histoire d'amour avec Sandrina Jardel, qui est comme lui auteur de bandes dessinées, comme lui. Ils s'étaient rencontrés sur les bancs du collège, ont eu 2 enfants. Ce n'est qu'en 2014 qu'ils ont divorcé. En 2016 dans VSD, le réalisateur de Jackie au Royaume des Filles confiait, on a vécu 30 ans ensemble. On s'est séparés d'un commun accord, mais c'est ma meilleure amie. On est toujours fourrés ensemble, et ça reste ma première lectrice. D'ailleurs, c'est la plus critique vis-à-vis de mon travail.